Bonjour, aujourd'hui je vous présente le jeu du tab. Alors le tab, vous mettez des pions rouges comme ceci. Sur la première rangée ici. Et vous allez mettre des pions bleus par exemple sur la première rangée en face ici. Et vous laissez bien deux rangées qui restent vides. Voilà, comme ceci. Alors, le but du jeu, ça va être d'occuper le plus de cases possible de son adversaire. C'est-à-dire les bleus à la place des rouges et les rouges à la place des bleus. Alors, on ne peut bouger une pièce que lorsqu'on fait un jet de 2. C'est-à-dire que lorsque je fais un jet de 2 avec les dés, j'ai le droit de bouger une pièce. Alors, un jet de 2 peut être séparé en deux. Deux pièces pouvant chacune être déplacées d'une case. Si je fais 2, je peux avancer une case, un pion d'une case et un autre pion de l'autre. Alors, ici, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V. D'accord, hein? Hop. Et ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Alors, j'ai oublié une case, il en faut 12. Bon, c'est pas grave, on va jouer contre 15. Normalement, il y en a 12. Et donc, les pièces se déplacent dans le sens que je vous ai indiqué. Les pièces bleues vont d'ici à ici. Ensuite, ici à ici. Ensuite, ici à ici. Et ensuite, comme ceci. Hein, ça fait hop, 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 hop. Et les pièces rouges, elles, eh bien, se déplacent de l'autre sens. Hein. Donc, elles avancent comme ceci. Hop. Alors, on a le droit de prendre une pièce du joueur de l'autre équipe que lorsqu'elles sont sur les deux rangées centrales ici. Et les pièces qui sont capturées sont retirées du jeu. Donc, dès qu'une pièce atteint une case de la rangée arrière de l'adversaire, elle est immobilisée et ne doit plus bouger. C'est-à-dire que dès qu'une pièce rouge arrive sur une de ces cases ici où il y a une pièce bleue, eh bien, elle reste là, elle n'a plus le droit de bouger. Et on n'a pas le droit de mettre deux pièces par case. Alors, il est possible à chaque coup de déplacer plus d'une pièce et d'en capturer plus d'une si on suit les règles, hein, les règles que j'ai énoncé avant. Donc, les joueurs utilisent le résultat des jets de dés, que ça aille ou pas. Alors, il n'y a qu'une exception, c'est que le lanceur n'a plus qu'une seule pièce près de l'extrémité de la rangée centrale voisine, hein, c'est-à-dire une pièce ici ou ici, et qui ne lui permet pas d'occuper une case. Alors, on va faire une petite démonstration. Bleu joue 3 et 1, 4. 1, 2, 3, 4. Rouge, 10. Alors, je peux faire 6 et 4, hein, mais je peux faire 10 aussi. Hein. Donc, rouge. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 1, 2, 3, 4, j'aurais pu faire 2, 2, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hop, donc elle prend la place de celle-ci,
et celle-ci est enlevée. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hop, celle-ci est enlevée, etc., etc. Hein. Voilà, jusqu'à ce que, eh bien, un joueur, on ne puisse plus jouer et on regarde lequel a le plus de pions sur la rangée adverse. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.